Voilà donc les anagrammes. Donc les anagrammes, c'est des exemples très très pertinents de permutation. On prend des lettres et puis on les fait tourner dans tous les sens, on les permute dans tous les sens. D'accord ? Donc là on a deux cas différents, on a des permutations sans répétition et puis avec répétition, puisque dans les mots anagrammes et statistiques, il y a des lettres qui se répètent. Donc là on a une permutation avec 6 éléments, donc 6 factoriel, 6 fois 5, 30, 720 possibilités. Et pour le B, on a une permutation avec répétition. Donc dans anagramme, il y a 9 lettres. Et puis il y en a certaines qui se répètent. Il y a la lettre A qui est répétée 3 fois. Et puis il y a la lettre M qui est répétée 2 fois. Donc, il sait, c'est quelque chose de similaire. Il y a 12 lettres, il y a des répétitions. Il y a quoi, le S 3 fois, le T 3 fois, et le je sais plus, I 2 fois. Alors, 3 factoriel, 3 factoriel, 2 factoriel, 2. Et ça donne un grand nombre. Six cent cinquante-deux mille huit cents possibilités. Ensuite, ça c'est un exercice qui ressemble à un exercice qu'on a déjà fait avec des ouvriers et des ouvrières, et puis on devait choisir un certain nombre d'hommes et un certain nombre de femmes. Donc on a ces 3-7 possibilités, donc là l'ordre n'a pas d'importance, donc on a ces 3-7 possibilités de choisir 3 hommes parmi les 7 que l'on a, et puis ces 3-5 possibilités de choisir 3 femmes parmi les 5 que l'on a. Et on multiplie, puisque pour chacune des possibilités qu'on a là, on a toutes ces possibilités-là. Donc les choses se multiplient. Ça fait 7. Voilà, c'est un exercice similaire à celui avec les bits que l'on a vu. Ici, on n'a pas des bits, on a pile ou face, et puis on répète 10 fois l'expérience. Donc à chaque fois, on a deux possibilités, pile ou face, pile ou face, pile ou face, etc. Pile ou face, donc 2 puissance 10, soit 1024 possibilités. Parce que le A bar de 10, c'est 10 au carré. Donc, ce n'est pas une justification très, très... Ce n'est pas un arrangement. J'ai pas de nom. Pris séparément, c'est des arrangements. Ça, c'est on prend un élément parmi deux. Là, on prend un élément parmi deux. Là, on prend un élément parmi deux. Donc, soit pile, soit face. On obtient finalement A1, 2 à la puissance 10 si vraiment on veut utiliser des arrangements ou quelque chose qui ressemble. D'ailleurs, ce serait même plutôt des combinaisons. Ouais,
Moi, je pense, le mieux, là, en tout cas, c'est pas essayer de chercher une formule qui va, c'est de raisonner. Enfin, dans tous les cas, moi, je trouve que raisonner, c'est mieux que d'essayer d'appliquer une formule, mais... Ensuite, on a un singe qui sait écrire. Formidable. Donc là, pour chaque chiffre, premier chiffre, il y a 7 possibilités pour le deuxième, il y en a aussi 7, pour le troisième, il y en a aussi 7, et pour le quatrième, il y en a aussi 7. Ce n'est pas des cartes ici, donc ce n'est pas quelque chose qu'on pose, et puis une fois que c'est posé, c'est... on ne l'a plus dans la main, donc on ne peut plus l'utiliser. Ici, c'est un singe qui sait écrire, donc il sait à chaque fois écrire les chiffres de 1 à 7. Donc ça fait 7 puissance 4. 2401. Et puis là, ben, c'est la même chose, ça va être 7 fois 7 fois 7, etc. Mais cette fois-ci, à la puissance 8. Donc ça fait beaucoup, 5 764 801. Notre singe savant. Et ici. En fait, la première question, on peut l'exprimer un peu différemment, c'est de combien de manières différentes est-ce qu'on peut occuper 5 fauteuils sur les 10 à disposition en tenant compte de l'ordre. Ça fait 30 240. Et la question B, elle ressemble à un petit peu à l'exercice. La question B, elle ressemble un petit peu à l'exercice avec les livres de biologie, maths, physique et chimie. Là, on a deux choses différentes. La première, c'est de combien de manières est-ce qu'on peut permuter ces 5 personnes? On les garde ensemble, donc on les permute. Ça donne 120. Et puis ensuite, on peut faire avec un petit schéma pour visualiser un peu les choses. Regardez de combien de manières différentes on peut les mettre, les 5, les uns à côté des autres. Alors on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6 possibilités. Donc on a notre groupe de 5 personnes maintenant et puis on peut aller le mettre sur les 5 premiers sièges, ou là, ou là, ou là, ou là. Donc au total, donc ici on a 6 possibilités, donc au total on a 6 fois 120 possibilités.